Salut à toi, pensée du jour numéro 186, si je ne me trompe pas. Peut-être 187, mais je crois que c'est 186. Hier, j'ai eu l'opportunité. Non, je n'ai même pas commencé par hier, j'ai commencé par novembre. En novembre de l'année dernière, donc 2021, j'ai été contacté par Alex, qui est un préparateur physique à Motion Lab, à Lausanne, qui est un centre. Motion Lab est un centre de réathlétisation et de performance sportive à Lausanne, ici en Suisse. Et donc Alex m'a contacté, il m'a dit: Sean, on a un souci. On rencontre de plus en plus de problèmes avec certaines tendances dans des sports en Suisse, notamment le hockey, où on voit des chirurgies, des opérations sur des jeunes, beaucoup trop jeunes, de manière préventive, ce qui est complètement aberrant. Et donc, Alex me disait, et donc on souhaiterait discuter avec toi, Alex, donc, et Mathieu qui est un des fondateurs de Motion Lab, si je ne me trompe pas, qui est aussi médecin du sport là-bas, avec une longue carrière derrière lui. Et donc, ils m'ont dit, ben, écoute, Sean, on aimerait parler de ce sujet important. Donc, bien sûr, j'ai été honoré par cette requête parce que c'est clair que ces messieurs, avec le sujet qu'ils souhaitaient traiter, auraient pu se tourner vers une chaîne de télévision, une chaîne de radio locale. Ils auraient certainement trouvé quelqu'un pour les entendre. Mais le fait qu'ils soient venus vers moi, eh ben, ça veut dire beaucoup pour moi du fait qu'ils ont choisi ma plateforme, mon podcast, pour communiquer ce message important. Et donc hier, je me suis rendu donc à Lausanne, à Motion Lab. Alex m'a fait le tour des locaux, vraiment une chouette structure qu'ils ont mis en place là-bas, une très très belle salle, toute ouverte, avec autant des emplacements pour la rééducation, pour le travail avec les physios, mais également eh ben, une piste où il y a des sprinteurs de l'équipe suisse qui viennent s'entraîner. Il y a ensuite eh ben, tous les préparateurs physiques, tous les kinés, tous les physios qui sont présents, des physiologistes également. Ils ont une salle d'altitude, une chambre d'hypoxie, pardon, et une chambre thermique aussi qui court pas les rues. Donc ça, c'est super intéressant et il y aura certainement de chouettes petites choses à faire avec eux à l'avenir. On en a discuté et on en rediscutera bien sûr. Donc ça, ce sera un sujet extrêmement intéressant. Notamment de voir ce qui se passe au niveau de l'oxymétrie musculaire en hypoxie et également avec des changements de température. Donc ça, c'est une histoire pour un autre jour, mais j'en reviens à la discussion du podcast. Donc on a vraiment bien échangé, j'ai vraiment apprécié l'échange. Ça a duré 1 heure et demie. Le podcast sera disponible le 7 mars prochain avec donc Alex et Mathieu. Et on parle de ben, principalement des jeunes, donc les jeunes sportifs, les jeunes athlètes, et la réalité du monde dans lequel on vit, avec la pression pour la performance, la pression des parents sur les enfants, la pression de malheureusement certaines personnes du corps médical sur les parents et les enfants, quand les enfants se retrouvent avec certaines pathologies de croissance qui pourraient certainement être adressées. Qui pourrait certainement être adressé avec du travail actif, avec un petit peu de diversification des moyens d'entraînement, avec autre chose que juste le sport, donc la surspécialisation et l'usure, l'usure excessive de certains patterns de mouvement par ces jeunes qui sont encore en croissance et qui ont donc ces zones de croissance qui sont fragiles ou qui sont encore en développement et qui donc, si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent engendrer des dégénérescences, des soucis sur le moyen et potentiellement le long terme. Et encore une fois, le sujet un petit peu, enfin, je dirais pas tabou parce que c'est pas comme si j'en avais largement entendu parler avant, mais le sujet peut mentionner des dérives médicales justement au niveau de ces jeunes athlètes. Jeunes athlètes qui certes sont peut-être prometteurs, mais qui ne sont garantis en rien de performer au plus haut niveau dans leur carrière. Mais quoi qu'il arrive, sont poussés parfois. Alors poussés, c'est peut-être un grand mot. Encouragés, certainement à tort, en tout cas dans certains cas, de se diriger vers des chirurgies, vers des opérations
des procédures médicales avancées et plutôt lourdes, ou en tout cas irréversibles, ça c'est sûr, alors qu'il y a peut-être d'autres moyens d'approcher ce problème. Et donc, encore une fois, j'ai vraiment été honoré d'avoir été contacté par ces messieurs et d'avoir pu partager ce moment et enregistrer ce podcast avec eux dans leurs locaux, donc à Motion Lab. Et donc, je t'encourage à cliquer le lien dans la description, à aller cliquer sur Set Reminder, je ne sais pas comment on dit ça en français. Tape la cloche sur l'épisode pour que quand il paraît, tu reçoives une petite notification et tu sois encouragé à aller l'écouter et le regarder. Et bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, si tu es parent, si tu es coach, si tu es simplement passionné de sport, n'hésite pas à laisser un commentaire sous ces podcasts pour qu'ils aient un petit peu plus de visibilité et que ça puisse atteindre plus de monde, surtout sur des conversations comme celle-ci, parce qu'à mon avis, elles sont importantes. Et c'est clair que ça court pas les rues, les professionnels qui sont prêts à ouvrir leur gueule et à dire ce qu'ils pensent sur ces sujets-là, qui peuvent être un petit peu délicats parfois, mais qui sont bien sûr toujours, en tout cas dans ce cas-là, toujours avec l'intention d'aider, surtout les jeunes, parce que là, au final, c'est de ça qu'on a parlé, c'est des jeunes sportifs, des jeunes athlètes, et on veut quoi? On leur veut que du bien, on veut qu'ils puissent certes performer, mais avant tout s'épanouir, grandir et perdurer, parce que d'avoir une carrière de sportif entre 11 et 15 ans, c'est chouette. Et peut-être que dans certains sports, ça peut être cohérent. Mais autrement, il faut penser long terme. C'est pour ça qu'on appelle ça long-term athlete development, or long-term athletic development. Donc, c'est du développement athlétique ou de l'athlète sur le long terme. Et c'est vraiment le long terme qu'il faut considérer et sur lequel il faut toujours s'appuyer ou se replier quand on prend certaines décisions. Donc voilà, je voulais simplement mettre ça en avant parce que c'est vraiment une conversation qui m'a plu hier et encore une fois un sujet qui me tient à cœur. Donc je souhaitais le partager. Donc n'oublie pas de me laisser un petit like sur la vidéo, de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et comme je t'ai dit d'aller cliquer la cloche sur cet épisode que je mets dans la description pour l'écouter une fois qu'il paraîtra. Et puis je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.